Et bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce vendredi 20 septembre. Donc, j'ai pas eu le temps de vous le faire hier. Je vous le fais aujourd'hui. Voilà. On cherche en même temps un contrat d'apprentissage, même si on en a trouvé. On va voir. Il a une période d'essai à faire ce samedi. On verra bien comment ça se déroule. Mais voilà. C'est parfait. Bon, j'espère en tout cas que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous chez vous et pour votre petite famille. Donc, je vous fais les vidéos un peu tard dans la journée, mais pour ce vendredi. Mais vous avez le pronostic Quinté Plus de ce samedi qui arrive également. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. Voilà, dès qu'elle sera publiée. Donc, ceci étant dit, n'hésitez pas non plus à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, il y en a beaucoup qui sont allés, je pense. Donc n'hésitez pas à continuer, à vous abonner, à partager la chaîne, les vidéos, à les regarder, à mettre un max de pouces bleus dessus. Voilà, je vous invite à le faire. C'est une chaîne très importante pour moi. C'est mon métier, ma passion. Donc je vous montre un peu tout. Et vraiment, c'est très instructif. Voilà. Donc je vous montre ma passion. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, les amis. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter sur cette chaîne également. Vous savez que pour l'algorithme YouTube, il n'y a pas mieux. Plus il y en a et plus je suis visible pour de nouveaux potentiels abonnés. Donc je compte vraiment sur vous, les amis. Pour ça, pardon, ma méfiance du Quinté en fin de vidéo comme d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin pour l'avoir. Allez, sur ce, on va passer au programme du Quinté Plus, les amis. C'est parti. Donc ce sera la réunion 1, course 4. À Vincennes, c'est le prix Elsa. C'est de l'attelée sur 2700 mètres. Il y aura 14 partants, 53 000 euros d'enjeu. C'est une corde à gauche et le départ se fera à 20h15 ce soir. Donc c'est pour ça que je poste très vite. La liste des partants, la voici à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause et à faire un petit zoom pour voir un peu la cour les jockeys ainsi que les musiques. Mon niveau de confiance, 3 sur 5, c'est rare pour un vendredi, mais j'y crois, cette course, pourquoi pas. Donc j'ai remis aussi à jour tout ce qui défile en haut, que vous allez voir après là. Donc il y a un nom partant, c'est le 5, donc ne le jouez pas, ce n'est pas la peine les amis, voilà, de le mettre dans vos jeux. Le prono, donc ce que je vous disais, tout est à jour là-haut. Voilà. Donc on y va pour le pronostic Quinté Plus et on commence avec mon favori, les amis, qui sera le 2 Jack Surprise, qui sera drivé par U. Ma base sera le 12 Jingle Lover, drivé par Ploquin. Mes outsiders seront le 13 Japelou Turgot, drivé par Abrivard. Le 8, Joker des Chaliers, drivé par Gélor Mini. Et le 11, Jupiter Turgot, drivé par Bazir. Mon regret, ce sera le 14, Joker d'Ocagne, drivé par Colette. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors, mon 2 sur 4 sera le 2 et le 12. Mon 2 sur 4 combiné sera le 2, 12, 7. Mon couplet sera le 2, 12. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 2, le 12 et le 7. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 2, 12, 7 et 13. Mon tic 3 sera le 2, 12, 7, 13 et 6. Mon multi en 7, un champ total, sera le 2, 12, 7, 13, 6 et 8. Mon multi en 7 normal sera le 2, 12, 7, 13, 6, 8. Et 10. Et pour ce qui est de ma sélection ou de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 2, 12, 7, 13,
6, 8, 10 et 11. Et mon cheval de complément sera Maurégré le 14. Donc voilà pour le pronostic de ce vendredi 20 septembre. N'hésitez pas à mettre max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter pendant que ça défile. Donc après, on passera à ma méfiance. N'hésitez pas non plus à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube. Le lien est en description sous la vidéo. Donc je vous invite à y aller. Vraiment, les amis. Donc je compte sur vous pour ça. Vous avez le lien également en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc on va passer à ma méfiance, les amis, dans quelques secondes. Voilà le temps que tout défile bien comme il faut ici. Et puis on y passera tranquillement et sûrement. J'appelle Mikado parce que je sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il me fabrique là. Il a couru après un truc, j'irai voir après. Donc. Allez, on y est presque, les amis. Encore quelques secondes et on passe à ma méfiance du quinté. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, les amis. Passons à ma méfiance. Donc, ma méfiance sera le 9 joli vert du Gers qui sera drivé par Le Bourgeois. Donc, on va aller voir sa fiche tout de suite. Donc, c'est cheval assez mitigé. D'ailleurs, ça reste une course assez ouverte. Donc, à voir. Donc, c'est parti, les amis. Allons voir. Tout de suite. Donc, Le Bourgeois, Abrivard, l'entraîneur. C'est un ogre de 5 ans qui sera déféré des 4 pieds. Donc, ses dernières courses non classées, disqualifiées, 2e, 7e, 7e, 3e, 1er, 3e, 2e. Donc, vous voyez, cheval mitigé vraiment. Avec 5 courses courues, une seule place en course officielle. Donc, voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de le mettre en méfiance. Donc, voilà, il sera écarté de mon jeu. Après, vous êtes libre de vos choix, les amis. Hein, si vous souhaitez le mettre, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour ma méfiance du Quintet Plus et le Quintet Plus en lui-même. N'hésitez pas à mettre max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube. Ça se passe en description sous la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, les amis. Et puis, nous, bah, écoutez, on se retrouve. Dans pas longtemps pour mon autre vidéo de samedi. Et il y aura le Pick 5 également, donc les deux Pick 5 d'aujourd'hui et samedi. Donc je vous invite à aller les voir. Sur ce, bonne journée à tous. Bye bye les amis.